Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au international, la pays Corée du Sud fait un don 6 hélicoptères de guerre à pays Kenya dans le cadre fort pays africain a fait pour mettre la paix. Et bien 6 hélicoptères ça qui rentrent dans un peloton 16 hélicoptères pays asiatique là décidé pour le faire cadeau dans collaboration avec Nations Unies et 10 autres hélicoptères y a bien pour arriver souper en collaboration avec organisation internationale là qui c'est Nations Unies qui gagne mission pour mettre la paix dans monde là. Toujours dans international là, l'armée israélienne pas suspendre avec offensive dans Gaza pendant divers gros et dialogues faits pour capable mettre une entente entre deux pays ça yo qui pas suspendre tout que connio depuis 7 octobre 2023. Toujours dans international là, cette fois-ci aux États-Unis, plusieurs parlementaires américains exprimaient inquiétude face à implication l'armée américaine dans Moyen-Orient depuis attaque Hamas qui fait sous Israël là 7 octobre 2023. Ici en Haïti, situation toujours compliquée, diverses organisations politiques a préparé 7 février pour réclamer départ Premier ministre Ariel Henry dans sens ça depuis 5 cap vini là diverses organisations parées pour commencer occuper béton dans l'idée pour exprimer insatisfaction avec gestion Premier ministre Ariel Henry dans tête primatien depuis environ 30 mois et bien et Premier ministre li occupé fonction ça et en pile monde estimé li pas fait rien et appuyé sous accord 21 décembre 2022 pour exiger Premier ministre Ariel Henry démissionner alors que nous songe dans accord 21 décembre ça Premier ministre te bay garantie la bien pour organiser élection d'ici fin année 2023 pour capable mettre un président élu démocratiquement dans pays à 7 février 2024 élection pas organisée, conseil électoral provisoire toujours dans l'impasse 7 février a pas gagné garantie a gagné un président qui élu eh bien organisation ça dit pas gagné le choix Premier ministre obligé démissionner mesdames et messieurs gagné et parti politique Petite Dessaline même Jean avec parti aidé cap dirigé respectivement par Moïse Jean-Charles et Claude Joseph ancien Premier ministre pays d'Haïti qui mais capable dit qui déjà entendu là dans jour cap vina pour occuper béton et parti aidé déjà lancé mobilisation dans 4 points pays d'Haïti pour aboutir 7 février 2024. Point ça yo à camp pilote pour le développer sous la voie de l'Amérique. N'a pas invité au suivre rendez-vous. Merci en pile pour passer toute semaine avec la voix de l'Amérique. Moi c'est Jean-Bernard Philippe Capsalun de la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Mes principales points dominants actualité. Dans le cadre de l'actualité, l'armée Israël continue à attaquer le territoire Gaza malgré les efforts qu'elle a fait pour gagner un cessez-le-feu dans la guerre qui prescrivait sous 4 mois. Plusieurs parlementaires américains expriment inquiétude face à l'implication militaire des États-Unis dans le Moyen-Orient après l'attaque à Hamas sous Israël 7 octobre passé. En Haïti, plusieurs secteurs annoncent des manifestations pendant plusieurs jours pour demander la démission du Premier ministre Ariel Henry d'ici 7 février. C'est quelques parmi points qui dominent l'actualité. Nous remercions encore une autre fois encore et nous saluons tous les auditeurs et spectateurs qui sont toujours là avec nous et qui continuent avec nous. Mais on commence avec une nouvelle capsule qui concerne le pays d'Haïti. Nous parlons d'abord dans le pays Kenya. Côté ministre des Affaires étrangères, pays a dit de la voix de l'Amérique que j'ai fort pour vous et policiers dans le pays d'Haïti à pas possible. Sandra Lemaire. Remember, it was a UN. Ministre Affaires étrangères pays Kenya dit VOA, j'ai fort pour voyer policiers dans le pays d'Haïti à bras poursuivre. Ministre Musalia Mudavadi t'a parlé avec service Swahili, la Voix de l'Amérique là, hier jeudi 1er février dans Washington, côté monsieur t'a rencontré secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Our constitution allows somebody to go to court and challenge. And we are seeing a lot of l'idée constitution nous permet au monde aller devant tribunal là et puis défier décision hein. Nous voyons ça plusieurs fois déjà. Gen moun qui soulevait problème par rapport avec politique etc. Le gouvernement défend position li devant tribunal là, li respecter décision juge là.
ministre la dit VOA, gouvernement a intention d'aller en appel contre décision tribunal la prend pour dire j'ai fort pour voyer policiers Kenya yo en Haïti pas constitutionnel. So on this one on Haïti, the attorney general is reviewing the judgment. Lydie, dans le cas Haïti, le ministre de la Justice là, a révisé le jugement et puis il prend un appel pour contester. Mais je me dis publiquement tout que la décision a indiqué que si il y a une demande officielle qui fait sur une base bilatérale, il n'y a pas rien qui a empêché Kenya pour se poupir devant avec plan. There's nothing that stops Kenya from supporting, if that were the case. Haïti t'a demandé assistance pour première fois en 2022, dans le moment où la violence gang a augmenté, mais il n'y a pas de cas joindre aucun pays pour prendre mission en charge. En pile, gouvernement étranger a sauté pour appuyer un gouvernement haïtien qui n'est pas élu. Kenya, bon côté palais, a une longue histoire avec l'opération Maintien la paix internationale. I just want to repeat that Kenya has always been a critical player in peace efforts. Lydie Moutan aimait répéter que Kenya a toujours joué un rôle essentiel dans le maintien de la paix tout partout dans le monde. Nous faisons ça dans la région Afrique de l'Ouest, là. Nous faisons Namibie, nous sommes dans Kosovo, Timor de l'Est et puis même Somalie, côté nous sommes collés avec la communauté Afrique de l'Est. Là. Force nous ont servi dans la République démocratique Congo pendant une année, donc ils ont participé dans plusieurs initiatives de la paix. C'est un bel exemple intégrité Kenya gagné dans domaine ça. Ça veut dire yo respecté nous. Ça veut dire force police nous yo gain discipline et moun reconnaître professionnalisme yo. Kenya est fier de ça. Nairobi a accepté pour le prendre mission en charge le mois de juillet 2023 et puis promettre pour contribuer 1000 policiers. Ruto t'a dit Kenya t'a fait ça pour porter solidarité pour un pays que les considérer tant qu'un frère. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Sous même nouvelle ça, ancien colonel de l'armée d'Haïti, Imler Ribu, qui t'a adressé sur question ça, il dit que si police Kenya t'arrive en Haïti, si ça t'arrive fait, les cas difficiles pour opérer sous terrain. Colonel Imleribu. Moi, c'est un homme, tout le monde connaît, mais ouais, un soldat étranger dans le pays, un homme. Bon, moi, je commence à regretter que Kenya a beaucoup venu. Bon, c'est les policiers Kenya qui sont venus pour avoir une belle merveille ici. Si le Kenya ou vini, c'est non tout pour yon être caché, pour yon pas jamais sortir ici, même pas jamais sortir dans la rue même. C'est qu'on fait ça. Depuis yon sorti, y a mouri pas pile et pas paquet. C'est une révélation. C'est bon, révélation. Son pas technique lié. C'est parce que moun yon l'a fait, bah, yon pas respecté culture pays, ya. Yon pas respecté mœurs et coutumes, yon pas respecté tempérament moun yon. Si y a voué policier Kenya, vin ici en Haïti. Y a vinn fè ki sa? Y a vinn pou yo elimine gang. Elimine gang, vè di, tue bandi. Koun se lè sa n tap wè ki sa bandi si tue. Parce que koun ya yabdou, yo a lèz, parce que se pa policier haïtien, ou ouais, même policier haïtien, yo lè gen problème avec yo, yo tue yo koupe tèt yo, yo boule tèt yo. Yo tap tue de Kenya, yo papile, papaket. Non, même actuellement, ça, il y a un représentant, en fait, représentant États-Unis en Haïti, et bien, il déclare que pays, donc États-Unis, a continué de supporter une force multinationale pour aider pour la sécurité ou bien garantir la sécurité en Haïti, Emmanuel. Pays États-Unis pral continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Jean, résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies, t'es autorisé ça. Citoyen Sao pas prétend pour réagir sur déclaration chargée d'affaires américaines à Port-au-Prince, Eric William Strohmayer, qui réitérait soutien les États-Unis à déploiement force multinationale en Haïti. Professeur Josué Mérilien. Nous, ouais, que Américains décidaient de toute manière, faut que troupes étrangères qui débarquent par ici pour venir permettre que les consolider pouvoir là pour permettre que les vins d'Adi aient plus l'ougal
pour voler reste bien que nous étions dans le pays riche et etc. Citoyen Sayo, qui c'est membre de l'escripti politique qui porte nom protocole 17 octobre, considéré tant qu'un bluff éventuel arrivé force multinationale là en Haïti. Pour professeur Victor Benoît, tant de démagogie a fini. Tant de démagogie a fini. Faut nous finir avec les démagogies, puis de parler, faire promesse en l'air, faire penser que les blancs, étrangers, a venu et sauver Haïti, venir voir les forces multinationales. C'est bluff. Bon côté, par le coordonnateur adjoint organisation sociopolitique débloquée Haïtien, membre protocole 17 octobre, 5, 6, 7 février, qui a venu là, c'est pour la grosse mobilisation dans le périmètre résidence officielle pour le ministre, là, dans l'idée pour exiger le remettre démission. À partir du 5, 6, 7 février qui vient là, c'est pour la mobilisation sous toute forme jusqu'à ce que Ariel Henry quitte tes pouvoirs là. Comme alternative, ancien ministre Affaires sociales sous présidence Joseph Michel Matélian, Victor Benoît, mandé toute force vive pays, hein, chita ensemble, dans objectif pour dégager un consensus pressé dans l'idée pour résoudre tout problème pays a fait face. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour faire voir Créole. Dans un autre cas, Dominique, tu étais sur le plan international, et bien bon, et discussion qui a continué. Pour une société le feu dans la guerre entre Israël avec Hamas là, mais ça n'a pas empêché que l'armée israélienne continue à plaguer coup de mortier dans le territoire Gaza, gentil Augustin Junior. Bataille entre l'armée israélienne et groupe armé Hamas là, t'est continué à dégénérer jeudi vendredi 2 février 2024 là, dans la région Gaza, malgré premier signe qui suggérait possibilité d'un nouveau trêve avec libération otage. Après presque 4 mois la guerre. Pour ne pas suspendre la guerre ça, faut qu'il y ait résistance et détermination nationale. Et puis nous devons persévérer jusqu'à ce que nous finissions mission nous yo. Et puis, li pi difficile pour Hamas. Quoi moins, yo pa gen zam, yo pa gen munition, yo gen 10 000 terroristes qui éliminés, ak yon lot 10 000 blessés qui pa ka fonctionner. C'est yon gros coup qui affaiblit capacité yo. Force israélien yo te di ayer jeudi 1er février 2024 là, yo te krasé brigade Hamas là nan kan Younis. Dans le site Gaza, dans la guerre presque 4 mois. Dans une manifestation pour libérer otages dans Tel Aviv, un manifestant a dit The only way is through a deal. Seule façon, c'est joindre une entente. Et puis, c'est ça que veut dire ou gen courage et ou son leader. Et moi toujours pensé que après ça, nous pral gen temps faire face à Hamas et puis retirer yo dans direction ak leadership dans Gaza. Hamas ka continuer, mais avant toute bagaille, otages. Après yon réunion nan jou ki sot passé yo nan Paris entre chef CIA William Burns ak officiel pays l'Égypte, Israël ak Qatar, yo te présenté yon nouveau proposition trêve by leadership Hamas la, ki gen leader Ismaël Haniyeh ki basé nan pays Qatar. D'après yon source Hamas ki te parlé ak agence France Presse, proposition an gen 3 phases. Premier yon ki prévoit yon trêve 6 semaines pendant que Israël pral obligé libérer entre 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange 35 à 40 otages dans Gaza. Et puis 200 à 300 camions aide pral capable entrer dans territoire palestinien chaque jour. Majed Al-Hansari, porte-parole diplomatique Qatar, te dit n'a cité proposition ça t'est approuvé sous bord israélien et t'est dit nous gagné kounia yon premier confirmation positif nan main Hamas et li t'est ajouté li espérer que nan 2 semaines k'ap vini yo nous pral capable partager bon nouvelle sou sujet ça. Mais yon source qui proche Hamas nan Gaza te di AFP que poko gen aucun consensus sou proposition ou sou agenda discussion Messi Ani te fait nan pays l'Égypte et que déclaration Qatar te fait avant l'air et li fou. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. N'a prêté toujours dans Moyen-Orient et bien dans un segment spécial Jacques Mélisa a expliqué nous histoire avec mission Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens. UNRWA, c'est bureau secours et travail Nations Unies pour réfugiés palestiniens dans la région Proche-Orient.
C'est l'Assemblée générale Nations Unies qui était créée en 1949 après Gessa, qui était entouré Fondation Pays Israël, les 700 000 Palestiniens tapkoui qui étaient caillou. Bureau a gagné comme mandat pour lui fournir assistance humanitaire et protéger réfugiés palestiniens qui enregistrés dans zone opération office là en attendant une solution juste et durable pour situation yo. Journée jodi a agence a utilisé directement 30 000 Palestiniens pour servir environ 5 900 000 autres Palestiniens dans la région Gaza, dans la Cisjordanie, et dans quelques pays arabes qui tout près, tant que Jordanie, Liban et la Syrie. Il y a 13 000 employés dans Gaza qui ont géré l'école, clinique, centre santé et distribution d'aide humanitaire. Service d'agence là vient prendre l'autre dimension en 2005, les Israël et l'Égypte ont imposé un blocus. Presque toute population gazaouia dépend de UNRWA pour besoins essentiels, autant que manger, de l'eau, produits hygiéniques et latriers. Contribution État membre ONU, et spécialement gouvernement régional, et Union européenne, représentait environ 89% pour financement agence-là. En 2022, États-Unis était représenté principal donateur agence-là, qui recevait tout financement budget ordinaire l'ONU et recevait contribution financière l'autre organisme l'ONU. États-Unis, la Grande-Bretagne et plusieurs membres Union européenne campaient contribution après accusations qui tombaient sous dos agence là. Il y a un dossier israélien 6 pages que vous partagez avec États-Unis et que l'agence Nouvelle Reuters examinait montrait qu'il y a 6 membres dans le personnel agence là qui étaient participés directement dans une grosse attaque sanglante et mortelle qui était faite 7 octobre 2023 sous territoire israélien et il y a 2 autres qui étaient témoins opération. On nous a dit qu'il était réagi rapidement côté il révoquait personnel li Mounsayo après il était recevoir alerte qui sortit en Israël qui prouvait participation yo dans attaque 7 octobre là. Agence l'a estimé que couper financement yo capable mettre en péril ensemble mission et aggraver en pile urgence humanitaire qui déjà catastrophique dans région Gaza. Organisation a fait face à en pile difficultés financières depuis quelques années déjà et il était lancé un appel en janvier 2023 pour un financement dans niveau 1 milliard 600 millions de dollars. Depuis longtemps, autorité israélienne yo a réclamé démantèlement agence ça parce que d'après yo, mission ça a passé mode et l'a tout simplement qu'on y a facilité sentiment anti-israélien. Yon accusation au noir rejetée à toute force. Non, l'autre programme de minute actuelle toujours n'a pris toujours concernant Moyen-Orient. Eh bien, un groupe parlementaire américain exprimé qui étudie pour que Israël Hamas a pas si maillé dans Moyen-Orient à cause implication militaire américaine dans une série d'attaques qui a fait en zone là. Nous parlons de Marie-Lise Pierre pour plus de détails. La mort 3 membres service américain dans une base militaire par l'autre bord de la rivière Jourdain, dimanche, pas pour aller être sans réponse. C'est ça, secrétaire de défense états-unien Lloyd Austin, t'a dit journaliste jeudi semaine ça. Malgré la pérèse, une réponse américaine t'a qu'à augmenter tension dans la région. Lloyd Austin. Ça, c'est un moment dangereux dans le Moyen-Orient. Nous parlons continuer le travail pour éviter un plus grand conflit dans la région. Mais nous prenons toute action nécessaire pour défendre les États-Unis, pour défendre l'intérêt nous et le peuple nous. Après ça, nous pourrons répondre le nous choisi pour nous répondre et les gens nous choisissent. Militants Iran et appuyés ont lancé 166 attaques sous force américaine dans Irak, Syrie et par l'autre bord la rivière Jourdain. Iran te prend responsabilité pour attaque là, qui a détruit 3 membres du service américain et les dit pas détruit par une réponse potentielle américaine. Général Hossein Salami, commandant garde révolutionnaire Iran, dit nous connaissons que nous pas quitter aucune menace sans réponse pendant que nous pas chercher la guerre, nous pas payer la guerre et puis nous pas courir quitter. Sous Capitol Hill, là, quelques sénateurs démocrates concernés. D'après eux, Américains t'a rapidement augmenté un conflit militaire avant les législateurs gagnent une chance pour autoriser la guerre. Ça, c'est une accélération de la guerre dans le Moyen-Orient. États-Unis a recevoir trace pipelis toujours. Pas gain aucune autorisation congrès pour participation américaine dans la guerre dans le Moyen-Orient. Comme ça, tant c'est peut-être couné là pour congrès a commencé discussion sur ça. Dans le commencement de semaine ça, à la tête Sénat, républicain Mitch McConnell t'a dit que politique administration Biden a augmenté menace Iran posée à chaque jour pipelis. Leader minorité dans
Sénat dit pour trois années, yon de l'autre, menace la terre Iran et appuyé contre personnel américain à intérêt dans le Moyen-Orient, t'es abgrandi chaque jour plus plus. Iran croit li ka servi à intermédiaire pour attaquer américain sans punition. Plusieurs autres parlementaires républicains dit n'importe réponse, yon ta doué calibré avec en pile attention. Moi, t'as remé qu'on est si président gagne un plan que yon mette sous pied pour yon pas juste suspendre ça, mais pour mettre Iran dans une position pour yon pas jamais faire ça encore. Marie Duspierre, VOA Créole. Et il faut dire que le président Joe Biden, ensemble avec le premier dame, non, avec le ministre de défense, là, avec quelques groupes militaires replacés, eh bien, ils ont été trouvés dans Delaware, dans une base militaire américaine dans Delaware, pour accueillir trois soldats saoudiens qui étaient morts dans Jordanie, et semaine passée, après une attaque qui était faite sur, le président Joe Biden était à l'assister, ou bien, il a accueilli cadavres saoudiens, il a retourné aux États-Unis, et cela fait jeudi, vendredi, à même. Non, l'autre point qui a dominé l'actualité, il y a un petit bateau qui a transporté en 30 à 50 passagers chavirés bouche en bas dans nord-ouest Porto Rico. D'après ça, officiel Garcotte américain a annoncé Valérie Saint-Louis depuis New York. Garde-côte américain a dit qu'il était arrivé sauver 30 personnes qui ont essayé de river par bateau dans le pays Porto Rico. Bateau a été chaviré mercredi passé à tout près ville Camuy, sous bord en mer. Autorités ont continué à chercher six vivants potentiels dans la côte nord-ouest Porto Rico hier jeudi, après que bateau qui était gagné plusieurs mouns là-dedans était chaviré et au moins deux mouns étaient morts. Deux des mouns qui étaient dans le bateau ont été internés à l'hôpital pour raison qui pas spécifié, avec tout une femme qui enceinte 4 mois. Moun qui survivent ont estimé que bateau a tapoté entre 30 à 50 passagers, d'après sa officielle garde-côte américain dédié dans une déclaration. Li pat clair côté bateau a été sorti, bien que pi fort immigrant qui t'a essayé river Porto Rico à bord bateau ça, t'es sorti Haïti et République Dominicaine. Quantité moun k'ap essayé voyager pour river sous territoire américain sorti République Dominicaine, sous des tirs retail bateau k'ap pote en pile moun sous la mer, augmenté dans moment que pays d'Haïti a plité contre insécurité à augmentation dans violence gang yo ensemble avec un niveau pauvreté qui vin pi haut. Traverser passage maritime ça qui rele canal La Mona et qui mesure 148 km de distance sous bateau, c'est un canal route droite entre l'île Hispaniola que République Dominicaine et Haïti partagent pour river Porto Rico. Route la mer ça traite en pile et il est très dangereux. De l'eau la mer dans zone ça mauvais en pile, c'est ça qui fait que plusieurs douzaines d'immigrants t'est mouri noyés pendant dernière année qui sont passés là-yo, d'après ça yo rapporté. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Non, pour aller dans le pays d'Haïti, deux groupes militants ont été frappés verbal dans une localité dans le nord-est pays. Après, pour dénoncer la façon dont les compagnies ont distribué courant électrique, nous avons joué Junior Seville depuis Ville for Liberté. Dans la ville Trudino, yon mésentente nan mitan deux groupes protestataires campé déroulement yon manifestation qui était fixée pour jeudi 1er février 2024 là contre Premier ministre Ariel Henry ak Enrica, yon compagnie électrique qui nan pak industriel Caracol là kap vann plusieurs communes nan Odès courant parmi yo ville Trudino. Manifestation si la qui était gagné comme objectif dénoncer au redistribution courant ak force CPM Ariel Henry bay démission pas terrivé fait parce que force militante Trudino qui gagne tinon jouet li FMT accusé l'autre groupe là qui t'est venu à l'idée comme quoi c'est eux-mêmes qui t'ai fait la justice mettez mandat derrière ancien sénateur Eli Grandens là Guy Philippe Witeken Jean alias Quinquin yon nan protestataire qui t'ai bloqué manifestation t'est parlé nan non force militante Trudino nous-mêmes jodi a nèg yo peuple a bon décision. Le peuple a orienté le mouvement, il est passé en bas pour venir prendre le mouvement. Le mouvement a débouché à un moment donné. Il est venu côté, nous avons mis un bon de l'eau. Il est venu dire au lieu de faire des bonnes, il a fait un sel. Nous chitons, nous planifions, nous sommes d'accord. Nous disons que le rassemblement, c'est une station pour dire. Boutsoukou, à 6h, 7h du matin, hier, il est venu mettre un flyer de l'eau. Regardez un mouvement américain, un mouvement contre le regard, ça, il va venir faire là. Bon côté pâle, Belijak Saint-Cléris voyait jeter bien loin accusation Silayo. L'armée Kosovo, avec tête du commandant Kinkin, sur non ça, vini écraser manifestation, roche bouteille, tirer toute population couri. Et nous pourrons, y a pas grand explication, juste au bail. Kelly à Gabriel Augustin, c'est des citoyens qui t'ont parlé avec VOA Creole après incident pour m'en délimiter dans mitan des groupes militants. Je dis à m'apprendre comprendre problème dans cette vie, ni en amont ni en aval. Et je souhaite que ça pas répéter encore et demander pour d'être réunis ensemble. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Trudino,
pour VOA Creole. Manifestation pendant plusieurs jours contre Premier Sahel Henry Renan Toussaint. Dans moment tension yo a intensifié à travers pays d'Haïti quelques jours avant date 7 février 2024, date qui prévoit officiellement expiration accord 21 décembre 2021 via un gouvernement élu qui t'a dû remplacer Premier ministre Ariel Henry, même opposition politique là qui regroupait collectif 30 janvier, signataire déclaration Kingston avec divers autres faits qu'on a, processus dialogue là en pouvoir après mort. Certains membres dans l'opposition ont dit pour qu'on y a une phase mobilisation pour exiger démission Premier ministre Ariel Henry, mais un acteur, Imler Rebi, dit c'est s'il voulait démissionner. Il n'y a pas droit de démissionner. C'est démission, même pas, je suis d'accord avec le mot démission. Parce que démission sont actes volontaires. Comme on n'a pas de capable ou pas capable de la Je ne peux pas demander aux gens de démissionner, je peux constater que les gens ont démissionné. En Haïti, ils ont démissionné, les gens n'ont pas démissionné. Bon côté parle, ancien député Serge Jean-Louis, coordonnateur général Force nationale pour démocratie FND, dit tout problème qui est là, c'est parce que l'institution, la présidence, n'a pas fonctionné. On a parlé de nouvelle gouvernance avec un exécutif bicéphale, qu'on moun n'a pas l'air à Bailod, et puis qu'on premier ministre, qui pas n'importe qui moun, hein, un premier ministre, qui sont premier ministre qui a expérience dans les affaires de l'État, ou bien, mais qui connaît sacré l'administration publique haïtienne, qui connaît le fonctionnement régulier de l'État, qui ont compétences, qualification en compétences, en fonction de l'expérience. Pendant ce temps, signataire à COP 21 décembre 2022, signalé des tentatives qu'a faites pour voir si y a signé un nouvel accord politique à composition. Série Chita Paléo était bloqué depuis mois décembre 2023 après dernière tentative éminente personnalité Caricomio qui pat abouti à rien. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis je dis à ce vendredi, nous connaissons depuis vendredi arrivé, c'est jour par où de guerre. Est-ce que vous pas parler nous de nouvelles qui ont passé la Caïvédette? Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Creole, côté nous pour aborder plusieurs sujets. Nous n'allons rien pour avec Collision Guitare, chanteur groupe Dire Straits qui vend pour 11 millions de dollars. Ça, c'est un record. Bon, mes amis, moi, envie, moi, pas carré, non, vraiment vrai. Ça m'a dit là, rien pour avec Archive Musique Contemporaine États-Unis, qui pourrait utiliser une zone rurale, côté monde qu'on fait élevage cochon, pour serrer 3 millions d'enregistrements musicaux. Ça, pire de là, mes amis, c'est que c'est plus gros réserve dans ce sens qui existait sur le territoire américain. Bidding, ça a une couleur jaune, abricot et blanc. Responsable Archive là, a utilisé Complexa depuis l'année 2020, qui donc dans l'époque Covid là, parce que loyer, on a payé en bas la ville Manhattan, on a vu monter 17 routes. Comme ça, il était obligé, tant que Jean-Robert Philippe t'a dit, courir bride sous cou pour allouer côté yo fait élevage cochon. D'après ça, la tête à chiffre la bille, George dit, yo pral la gain pour brouter encore avant longtemps, parce que yo pas qu'à jouer un permis pour occuper local dans la zone rurale là. Kounia, y a cherché un côté pour y aller guérir Bosco, yo espéré joindre une installation côté train qui a descendu dans la ville de New York à passer. Monsieur Georges a fondé Archive qui pap chercher faire cobla en 1985 pour te mettre propre collection musique par lui qui était monté rivé dans 37 000 enregistrements musicaux. Collection si là, gain revoir avec musique qui sortit tout partout sur planète là, genre musical dans le rock and roll, musique blues et même morceau qui sortit dans répertoire sur continent africain assemblé musique pop, country, hip hop et la trier. Bon, n'a prêté dans domaine musique là pour nous dire guitare qui sortit dans collection ancien chanteur groupe britannique Dire Straits. Mark Knopfler recevoir 11 200 000 dollars pendant une vente aux enchères dans la ville de Londres. Et comme ça, la collection ça a battu plusieurs records, sinon qu'à 10 paroles là, comme ça. La collection ça a gagné la dernière 120 guitares amplifiers ancien chanteur a été utilisé pour enregistrer un pile gros tube, gros hit Dire Straits, semblier, prestation, yo qu'on fait un concert en public. Une antique que tu mettais dans la vente aux enchères, c'est une ancienne guitare Gibson Les Paul que tu as acheté pour une somme qui dépassait 700 000 dollars américains. Dans un communiqué que nous avons publié après la vente aux enchères, il dit ça te fait vraiment plaisir pour moi, gros qualité importance guitare ça y a pour un pile monde. Moi content tout parce que guitare ça y a pour continuer à mettre la joie dans un pile chrétien vivant. Ancien chanteur rock and roll britannique là, dit la Paris vous le voyez yon can dans l'agent de recevoir dans vente aux enchères par trois organisations charitables qui c'est la Croix Rouge britannique TOSC avec organisation Braveheart.
Bon, en dedans, il y a un studio d'enregistrement qui est dans Queen Mary University à Londres. Et bien, il y a un pile chercheur qui a examiné qui est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer des outils nouveaux que vous baptisez avec New Virtual Worlds dans le département de musique. Là. Andrea Martonelli et Max Graff ont été trouvés parmi 30 étudiants ESLET qui travaillent avec Dr. Mathieu Bartet, un conférencier dans le domaine média numérique, sous question. Graff déclaré par l'agence Nouvelle Reuters, bagaille ça c'est un coup une réalité prolongée, c'est une façon pour agrandir la réalité physique dans la vie de aujourd'hui. Chanteur de musique alternative anglais, Amy Love, qui t'a pas abordé des questions, en fait qu'on est, sans me comprendre, sous besoin d'assistance pour côté intelligence artificielle, ou qu'à utiliser pour faire comparaison à chrétien vivant, et c'est un bagaille qui coule. Eh bien, mesdames, messieurs, merci infiniment d'être traité avec nous jusque-là. Pour nous faire sauver de Dieu, moi c'est Sergio. Rodriguez. Et c'est toujours à la Rodriguez. Donc, nous disons tout le monde merci en pile. Nous avons passé un moment ensemble et nous avons passé toute semaine ensemble. Ça a fait un grand plaisir. Et nous espérons encore pour jeûner encore la semaine prochaine. Donc, tous les collègues, moi, que ce soit c'est Fred, depuis New Jersey, Gentil Augustin qui était aidé de mettre l'émission dans l'air, ingénieur Franklin tout, qui était fait coordination pour nous tous, et tout l'autre, Jacques Belizère, nous connaît, qui était là tout, qui n'est pas présent avec nous dans le studio, mais au moins qui était là avec nous en esprit. Nous, merci tout le monde qui était aidé, et M. Saté, entre la carte aujourd'hui. Comme je dis, c'est vendredi, comme d'habitude, vous rappelez, vous capable de sortir, mais si vous sortir, vous parlez dans la fête, eh bien bon, pas conduit, après vous consommez alcool, et si vous consommez alcool, pas conduit. Et soit conduit, pas consommer alcool. Abdi tout le monde, passez un bon week-end. Restez branchés sur la voie de l'Amérique. Visitez toute plateforme New York pour connaître exactement ce qui a passé dans le monde là. Pas oublier visiter nous encore. Nous remercions chef service à lui-même tout qui était pour décoller avec nous tout. Pour émission ça, je dis à ce vendredi 2 février. Abdi tout le monde, bon week-end. Nous allons lundi prochain.